puisque ça part entre Hellside et Bunker. Je vous rappelle un enjeu très particulier sur cette rencontre, c'est pour les Hellside. Ils peuvent encore se qualifier dans le top 4. Ils n'étaient pas en ballotage favorable, on va dire, au départ. Et finalement, eh bien, avec la défaite à l'instant même des AAA, eh bien, ils se retrouvent à 20 points, à égalité avec les AAA. Et sur des confrontations directes, eh bien, ils seraient qualifiés s'ils venaient tous les deux à remporter leur rencontre. On va pouvoir suivre ça. Et pour l'instant, c'est le Pistol qui a démarré sur le middle avec Powell. C'est un bon kill. Complètement blanc. Le deuxième déjà sur ce round. Wazing qui prend beaucoup d'informations. Il décide de jouer très offensif d'ailleurs. Du côté des joueurs CT, d'aller chercher vraiment les duels dès le départ. Il ne reste plus que l'eau d'ores et déjà qui arrive à prendre un double kill avec le Deagle. Même s'il est repéré sur ce top mine, ça fait déjà beaucoup de dégâts, mais ce ne sera pas suffisant pour lui. Il va finir par tomber au final. Avec eh bien l'ouverture du score pour les Hellside, je vous le disais donc. Ils sont bien positionnés pour aller peut-être chercher la victoire. Ils ont tout simplement à gagner sans overtime les Hellside. Et quoi qu'il arrive sur le résultat de The Die versus AAA, ils seront qualifiés. Si après ils perdent ou s'ils gagnent en overtime, là il faudra regarder le résultat de l'autre côté. Il y a donc forcément un petit peu de pression, sachant que les demi-finales seront directement en condition de LAN. Donc forcément, ça peut toujours faire plaisir, évidemment, l'appât du gain, le cash prize, qui se joue aussi pour eux, avec un meilleur positionnement. On a eu du force achat pour les terreaux et ça fonctionne bien entre les scouts, les deagles, ça fait beaucoup de dégâts, l'eau qui touche encore une fois. Oh là là, les quadruples scouts, on n'arrive pas à venir conclure avec passe, ça va finir par passer. Et il ne reste plus que Drac. Depuis la short, pour avoir un bon timing, il pourrait surprendre. Pas sûr qu'on l'anticipe dans cette zone, même si je crois que Novak Zhang a un petit peu la visu. Juste ici, il est repéré maintenant et en plus de ça, je suis pas sûr qu'il pense à ce que ça arrive dans son dos avec le positionnement de Dika justement. Et à venir le chercher dans un timing. Il va se retrouver dans le bon timing lui aussi, Drac. Attention tout de même de ne pas se faire piéger. Il est un petit peu cerné quand même. Entre toutes les visus, ce sera pas 52 qui prendra le kill. Et c'est un force achat bien remporté pour les Bunker eSports avec un quadruple scout qui était de sortie. Chose assez... assez rare, on va dire, quand même, sur CSGO en terreau sur D2. C'est plutôt sur le side CT d'habitude où on voit quand même pas mal de scouts venir se mettre en place. On tente le petit mid to B qui se met en place de manière assez rapide. Wazing qui n'a pas vu le premier passer, il va pouvoir prendre le deuxième. Il l'entend maintenant passer au niveau de cette window. C'est le seul représentant de son équipe ici. Pour à travers la porte, il prend très cher. Mais il va finir par s'en sortir, récupérer une arme. Attention à la mollo. Il va pouvoir reculer petit à petit. Le bon CB qui est dans la poche des Bunker eSports. Maintenant, il faut faire attention à la retake des joueurs Hellside. On va attendre peut-être le retour de Hazen. Depuis le forum, il est seulement armé d'un USP, ça va être compliqué, ça arrive de tous les côtés dans cette zone. Sarbomba qui est obligé de reculer sur le BP, il arrive à toucher un joueur. Hazen justement qui arrive à faire l'élimination, le scout cette fois-ci sera du côté de Pauls. On a repéré le dernier joueur, on va lui sauter dessus pour prendre le kill. Et on aura le temps d'aller désamorcer cette bombe. Les forces achats qui fonctionnent aussi du côté Hellside. Avec ce second point qui est validé. N'ont pas laissé vraiment d'espoir au Bunker eSport trop rapidement. Ils reviennent immédiatement réagir. Tout de même de racheter. Donc pour les Bunker eSports, ce sera du petit achat avec des Deagle, des P250 notamment. Malheureusement, là, ils ont plus de stuff. Ils ont déjà tout dépensé.
Pour pouvoir surprendre sur une sortie, ça va être compliqué. Ce sera sur des timings, sur le surnombre que ça va se jouer, bien évidemment, au talent. One tap qui pourrait s'enclencher. Ça commence avec Paz, mais la réponse tout de suite de Wazink. Il va reprendre l'information, Wazink. Ça va être intéressant justement pour faire mettre à l'image la vue de drague de mettre sa mollo pour gagner encore quelques instants. Petite IM map pour Wazink. Il enchaîne les petits one tap, two tap qui sont allés très rapidement. Il y a Tsar Bomba pour répondre, mais il n'a plus que 2 HP. Il va quand même aller chercher l'amorçage de la bombe, hein. Ça va faire un petit peu d'argent en plus. Et peut-être avec des one tap assez rapides, il pourrait faire la différence. Oui, le premier! Oh, le deuxième! Ça passe pas loin de la tête, mais ce sera pas suffisant. Tsar Bomba. Il aurait pu aller chercher un petit exploit là sur ce qu'il a proposé. Pour ceux qui nous rejoignent seulement, on est sur la deuxième map entre Hellside et Bunker Esports. La première, c'était Inferno. Et c'était la victoire des Hellside 16 à 5 qui permet d'avoir leur destin en main maintenant pour la potentielle qualification. Après la défaite des AAA. Attends, une nouvelle fois un petit peu de ce split au niveau du mid to B. Pas 52 qui est bien placé, qui devrait prendre l'avantage au Wazink assez rapidement et facilement. Il y a Zosa maintenant, le dernier rempart pour prendre l'information dans cette pente B. Il prend une première élimination. Mais sur le B, il y a déjà un joueur qui est passé, c'est l'eau. Il est déjà en place, en bordure de la voiture. Une flash peut-être pour reprendre l'information. Elle part. L'information qui est prise, on l'a repérée, qui permet de remettre Zeusa dans le bon sens de la marche. Une deuxième information prise au niveau du tunnel. C'est complètement désynchronisé pour les bunkers. C'est un petit peu dans tous les sens, mais ils arrivent à garder l'avantage numérique avec la bombe qui va retourner au niveau du BPA. Ils ont l'information maintenant au niveau du son et ça sera un 2v2. Il va donc devoir se mettre en place. Prise rapide pour les Hellside depuis la short. Très vite, ils vont essayer de mettre le stuff pour empêcher la bombe d'être amorcée. C'est très bien vu cette mollo. Il est complètement coincé sur le BP, Dika. Il essaye de reculer derrière, jouer avec cette smoke justement pour pouvoir surprendre. Ils sont groupés les Hellside avec un joueur notamment sur le BP, mais il n'y aura pas besoin. Drac qui va prendre ses responsabilités. Il va pouvoir valider ce point pour les Hellside. Obligé de repartir avec des pistoles, les Bunker Esports n'ont pas d'autre choix. Ils tentent de jouer quand même sur la longue, assez rapide, la sortie où ils ne subiront pas tant de dégâts que ça. C'est plutôt intéressant. La bonne réponse de Paz avec un bon coup de deagle sur Azen. Bien, bien joué de sa part, hein. Forcément. Tous ses coéquipiers qui prennent la longue, ils rencontrent que très peu de résistance. Et du coup, il se doute que s'il y a peu de résistants dans la longue, c'est plutôt sur la short que c'est fort pour les Hellside et qu'il y avait alors potentiellement une agression. C'était un bon coup de deagle, mais ce sera pas suffisant pour venir semer le doute chez les CT. Pour l'instant, trop fort, évidemment, avec l'avantage des armes. Ils arrivent à construire un cycle économique assez intéressant, même s'il reste encore fragile. Avec des joueurs un petit peu justes comme Wazink et Azen. Pas sûr que c'était la smoke dont il rêvait, hein. Du coup, ça permet de libérer le passage sur la short. Très rapide, on aura un joueur d'avancée à venir se sacrifier. Il pensait pouvoir profiter d'un bon spawn, Nowak Zhang. Ça fonctionnera pas. Il y a eu un bon jeu d'appareil side qui ont une nouvelle fois plutôt orienté la défense sur la short. Reprise sur la flash de Zeusa. Facile l'élimination.
se met en place au niveau du tunnel. Pour pouvoir faire la sortie. Hein. Personne véritablement sur le BP. On est plutôt reculé. Double flash pour pouvoir justement reprendre l'information. La sortie de Zeusa. Un premier, un deuxième et un troisième kill. Le triplé pour Zeusa sur ce B. Pour l'instant, Zeusa qui imprime son rythme. 8 kills déjà pour lui. Le fixe B solide. Permet de dominer ce début de partie 6 à 1. Et encore une fois, les Bunker Esports qui suivent un petit peu la tradition sur ce début de rencontre. Un round d'achat, un round de petit achat. L'économie qui n'est pas au beau fixe. Pour l'hétéro, clairement. Il va vouloir y aller de ça. Il va pas simplement mettre sa smoke, il va venir décaler. Oh, il sera prudent à décaler dans un second temps pour voir si ça n'est pas justement sorti devant. Finalement, ce sera sur la short et la longue qui aura les deux premières éliminations. Un petit peu la déclic pour les bunkers, pour essayer d'avoir du répondant. Pour les bunkers. On arrive quand même à faire quelques éliminations. Ouh, le bait. Le bait pour passer en B qui est parfait. Regardez la bombe sur la minimap au niveau de la short. Qui va pouvoir passer à moins l'amorcer sur ce BP. Ce sera toujours ça de prix. La bonne mollo quand même. Senti. L'eau qui va perdre quelques points de vie. Qui va même pas pouvoir planter la bombe au final. Il va être stoppé dans sa volonté. Les Hellside là qui proposent vraiment un jeu complet. Qui arrive vraiment à parer à toutes les situations. Même si on aurait pensé, et moi le premier finalement, que la bombe allait pouvoir être amorcée et que. Il aurait pu gagner un petit peu plus d'argent pour les bunkers, mais ça en sera tout autre. Les Hellside qui ont réagi très rapidement pour pouvoir empêcher le posage de bombes. Et donc, vous êtes avec un petit peu moins d'argent pour les terreaux. Nouveau round d'armée, il faut rester dans la game. Hein. Pour les bunkers, faut pas lâcher, même si certes, eux. Non, pas grand chose à jouer, ils sont déjà sûrs et certains de terminer dernier de ces ECN. Allez, pour l'honneur, allez chercher peut-être une petite victoire pour terminer sur une bonne note. Ça ferait plaisir évidemment, mais c'est compliqué, je pense, psychologiquement de d'être serein. De ne pas tilter entre guillemets sur ces games. On va voir comment ça va se goupiller par la suite, à passage. Sur la short, le joueur tombe et était repéré par Wazink. Attention, passage sur la bordure, c'était tout juste là. On aurait pu perdre un joueur s'il n'avait pas eu son stuff en main. La bombe a été posée. 3v5, mais maintenant c'est une reprise qui doit se positionner. Ils ont le temps, les Hellside. Par contre, le point d'appui de Hazen sur la longue qui va tomber tout simplement. Ce sera au niveau du spawn CT pour la plupart que ça va reprendre. Avec Wazink qui prend pas le temps de réfléchir. Drake et Zeusa qui enchaînent eux aussi très rapidement. Pas le temps de discuter pour les Hellside, là, clairement. Il n'y a pas de pourparler. Ça va très vite. Oula, Drake. Drake? Ça va? Il était sûrement en train de regarder la bombe être désamorcée. Ah, on voit qu'il y a une belle fraternité dans cette équipe des Hellside. Ça se soutient. Et ça, c'est beau à voir. Double sniper maintenant avec Dracula et Powels. Powels au niveau du BPB, il risque d'avoir beaucoup de choses à faire là puisque ça sort rapidement. La formation qu'ils ont prise. Oh, ça brûle, ça explose! C'est un massacre! Ils sont trois d'ores et déjà à être tombés. Le rush B complètement cassé des Bunker eSports. Quand on n'a pas de solution, il y a le rush B, mais là clairement ça n'a pas fonctionné. Pas, ça pourrait faire différence. La belle sortie peut-être, première élimination. Drac pour la vengeance immédiate. Et 15 points de vie de Noah Xang. Au niveau du tunnel, il est repéré, il a le temps, il a la bombe sur le dos. Le 1v4 à gérer maintenant. Oh! À travers la smoke, pourquoi pas.
Ce sera trop dur pour enchaîner. Bon, pour l'instant, tout à sens unique. Hein. Clairement, les Hellsides qui laissent aucune chance au bunker. Clairement, ils arrivent vraiment à prendre le dessus. Et même sur un jeu plus simpliste, sur un rush B, bah, ça ne fonctionne pas. Ils sont faits tout simplement stopper. Bataille de la longue. On arrive à rééquilibrer les trades et à prendre l'avantage. Ce sera de courte durée. Dracula, peut-être pour sauver son équipe. Il essaye de sauter dans tous les sens pour s'en sortir. Ça ne fonctionnera pas. On tente de réagir par la short, justement, avec le bon move de la part de Powels. 2v2 maintenant. Très rapide. Il reste encore 1 minute 30. Qui va se précipiter en premier? Ce seront les Bunker eSports. Ils vont pouvoir prendre l'avantage sur ce bébé. Attention à la bombe qui était encore au niveau du sas. Ils veulent reprendre l'avantage et ça va passer avec Powels. Il a coupé l'équipe en deux. De ça pour venir sur la longue, mais c'est incroyable. Ils sont trop forts, tout simplement. Les Hellsides par rapport au bunker n'ont plus de limite, j'ai l'impression. Ils ont complètement lâché les chevaux et sont clairement au-dessus, en totale confiance. Sur D2, ils laissent aucune chance au bunker de réagir. Peut-être sur ce round d'achat, et encore, il manque pas mal de stuff. Redirection au niveau de cette longue. On a vu que ça avait tourné à leur avantage au round précédent. Ça va très rapidement se mettre en place avec un joueur très avancé qui va tomber. La vengeance qui ne sera pas présente. Si finalement, ce sera un 3 pour 2. Et même un 4 pour 2. Ce sera Drake qui va venir conclure tout ça très très vite. Les rounds vont très très vite. On a l'impression de se retrouver sur un matchmaking qui aurait mal tourné. Et j'ai bien peur que pour les Bunker eSports, ça est un petit peu give up mentalement. Curieux de voir où est-ce qu'elle va tomber cette smoke. Au niveau de la short, intéressant. Très rapide. Pouvoir avoir un rush sur la short. Ou alors, dans ce cas-là, plutôt un fake au niveau de cette short. Par contre, au niveau du middle, c'est la bombe hein, qui est tombée. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça sort au niveau de ce tunnel. On essaye d'avoir du répondant pour Zeusa. Seul sur ce BP maintenant, on a beaucoup de joueurs terreau un peu partout sur la map. On a du mal à se regrouper. De ça qui est repéré, de ça qui joue avec Dika. Mais c'est Dika qui prendra l'avantage sur son adversaire. Ça tente de sortir instantanément. Là, on a complètement lâché les chevaux pour Hellsides. C'est incroyable. Je ne pose pas de questions. Ils sortent, ils mettent des flashs un peu dans tous les sens pour essayer de prendre le dessus. Et il reste plus que l'eau avec son Deagle. La petite tête qui dépasse, ce sera pas suffisant. Il tente de sortir, ce sera un échec. Et j'ai bien l'impression que nos chers Hellsides vont se diriger vers la qualification. Ils doivent remporter le match. La map sur Dust 2. Et pour l'instant, il y a 12 à 1. Difficile de faire mieux pour l'instant sur ce qu'ils proposent. Certes, un petit peu aidé par les bunkers qui ont du mal à évoluer ensemble pour l'instant sur D2. Oh, regardez Powels, il va aller chercher au-dessus. Oh là là, oh le gourmand, et ça passe pour Powels. On rate la flash pour Paz, on va aller checker jusqu'au bout ou pas? Est-ce qu'on va y aller? Oui, Paz qui reprend l'élimination sur la longue. Ce sera pour Azen. Incroyable ce match pour l'instant, ça va vraiment dans tous les sens. Il y a eu du push sur la longue, sur la short, il y a eu de l'activité dans le middle aussi, il y en a eu. Un terreau infiltré dans le mid côté CT. Il n'a pas regardé le middle de Sarbomba. Il aurait pu donner l'information à son mate que ça arrivait dans le dos. Est-ce qu'on aura un knife ou pas? Pour Wazing, ce sera le knife. Et voilà, les belles images assurées sur ce stream. Même s'ils perdent quand même l'avantage du bomb site B à cause de Paz. Et arrive à trouver l'élimination. Ils vont pouvoir essayer d'aller amorcer cette bombe. L'amorçage par Tsarbomba qui devrait être validé. Il y a un joueur en train de revenir au niveau du tunnel. On s'en doute pas forcément pour l'instant. Drake qui va pouvoir revenir petit à petit. Il y a des pré-shots sur la porte. Pré-short. Et Paz qui va en prendre un seul. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Cette Tsarbomba avec la WAP. Il est repéré au niveau de cette zone. Et il se fait courir dessus par Azen. 13 à 1. Pardon? Est-ce qu'on voit réellement un 5 AWAP du côté de Hellsides? D'accord, oui!
Allons-y, 5 doubles, quintuple décal au niveau du middle. Non, ça n'aura pas lieu. Incroyable. Ils ont sorti 5 AWAP. Mon Dieu, mais où sommes-nous? Que fait la police? Des belles images. Elle est bien présente ici. Mais par contre, ils se font venger tout de suite. Et heureusement, il y a Powell. Ils sont en train de se poser des questions, je pense. Là, les bunkers. Oui, ils sont tous avec un sniper du côté L-side. On sait profiter du moment aussi. Et ça fait plaisir à voir. Wazing sur le BP qui va finir par tomber. Et il ne reste plus que Drac et Powell. Tenter de réagir. La prise d'info de Powell, malheureusement un petit peu naïf sur la voiture. Il ne reste plus que Drac en 1v3 pour aller chercher les belles images. Transformer en 1v2 et tente de revenir rapidement sur cette zone. C'est intéressant, il a le bon move, mais c'est Lowe qui aura la dernière élimination. 13 à 2 sur ce premier side. C'est un no match, clairement. Et simplement no match pour les Bunker eSports qui ne s'en sortent pas, qui ne s'en sont pas sortis. Alors, est-ce qu'ils ont un side? C'était intéressant pour pouvoir résister aux L-Side, mais alors les L-Side sont totalement en roue libre. Ils n'ont rien laissé au hasard. Ils sont voulu être incisifs, être très impactants. Et ils l'ont très bien fait sur à peu près toutes les zones. Peut-être un petit peu moins en B. On a eu très peu d'agressions sur le B, mais alors on a vu agresser la longue, la short, le middle. Ensuite, sur des formes un petit peu, dire, pas très académiques, on va dire, sur la fin. Mais ça a été vraiment très efficace pour les joueurs L-side qui ont donc leur destin entre leurs mains, je vous le dis. Je vous le disais, il faut juste avoir une victoire pour assurer le top 4 pour les L-side. Et ils n'ont plus que 3 points à mettre pour le faire. On sait avec ce pistolet. Agressif sur le middle pour les bunkers eSport. Oh, agression à 4! Agression à 4 mid qui a été repérée. Ça va jouer les duels maintenant. La bombe qui est proche du bomb site B. Ils vont peut-être pouvoir décider d'accélérer à 2. Même s'il y a bon repositionnement pour l'instant. Peut-être en train de se refaire de passe. Oh, Dracula! Il enchaîne. Il tourne dans tous les sens et il monopolise toute la tension. Il a un bouclier. C'est pas possible. Il est trop solide. Il est trop solide, Dracula! Drac! Le bouclier sur le dos qui arrive à résister. La bombe qui est plantée en B. Dika qui est repéré. Il va prendre le premier, mais pas le deuxième. 14e point. Tellement solide, c'est L-Side. Avec un Drac de haut niveau, comme à son habitude. J'ai discuté dans la journée avec SRK. Qui a pu suivre hein, la majorité de ses ECN sur cette même chaîne. Elle me disait, hein, Drac, c'est clairement un joueur à suivre pour le futur. Et je pense qu'il nous le prouve ce soir, encore une fois. Et peut-être qu'il nous le pourra. Parce que la qualification semble bien se diriger pour eux. Le scout qui se veut incisif ratera son deuxième coup et ce sera vengé. Puni! Tout de suite par Powell. Ça redirige au niveau du bon petit B complètement libre. Le plus proche, c'est Paz 52. Il est quand même assez loin du BP. Il essaie de revenir, mais c'est déjà trop tard. Les L-Sides sont déjà passés. En plus, il y a seulement un scout pour essayer de reprendre les infos. Oh, pardon! Zeusa qui fait bégayer. Oh là là, ce qu'il a mis avec le MAC-10. Le MAC-10, c'est, je pense quand même, la définition de l'arme du manque de respect. Cette arme, tu peux sauter, tu peux courir dans tous les sens, tu mettras des headshots quoi qu'il arrive. Et pour ne pas respecter ses adversaires, c'est la meilleure chose qu'il y a à faire. Prendre un MAC-10, courir dans tous les sens, sauter les lignes, mettre des HS comme a mis Zosa à l'instant même. C'est toujours plaisir. On termine peut-être ce match. Sur ce point avec les L-Side, donc le 15e, ça va risque de se diriger vers le B avec un contrôle map assuré de loin par Drac. Ça ne passe pas, hein. Zeusa qui a pris un petit peu de poids là en ouverture de l'hiver et qui n'arrive pas à passer, ça arrive. Il va falloir se reprendre peut-être sur. Qui va courir vite en B, Lowe qui risque d'avoir quelques surprises. Il est repéré, arrive à s'en sortir, il va redécaler, prend quelques dégâts de nouveau et il se fait. Éliminé assez rapidement par Azen, ça déclenche très très vite au niveau de ce BP.
On en perd. La GoTV qui n'arrive pas à suivre sur ce BP. Élimination pour deux, ça, ça continue. Il y aura une belle vengeance tout de même. Et maintenant, la bombe va pouvoir être amorcée sur ce BP. Avec un 3v2 à l'avantage des terreaux. Dika et Tsarbomba peut-être pour aller chercher l'exploit sur ce round et éviter le 16-2. Même si ça semble bien compliqué, j'ai bien peur que les bunkers ne s'en sortent pas avec une victoire sur cette rencontre. Il ne reste plus que Dika avec son Eagle en main pour faire la différence. Et Razen pour chercher le kill, ce sera validé. Le 16-2, violent